Alors la métropole du Grand Paris, elle existe en tant que ville-monde. C'est ce concept de ville-monde qui caractérise les très très grandes métropoles. Qu'est-ce qu'elles ont comme qualité commune? On parle de Londres, Tokyo, New York, Paris, il y en a très peu dans le monde en fait. Leur qualité principale, c'est d'être capable d'attirer et de fixer ce qu'on appelle la classe créative. La classe créative, c'est quoi? Ben, ce sont, comme son nom l'indique, les créateurs de quoi? De richesses, en matière scientifique, en matière industrielle, en matière de services, en matière culturelle, en matière sportive. Et donc une métropole mondiale, comme celle du Grand Paris, aujourd'hui son job, sa mission, sa raison d'être et aussi sa condition de survie, c'est d'être capable d'attirer cette classe créative qui en réalité cherche à se fixer dans les grandes métropoles mondiales. Alors les conditions pour une métropole, pour être performante et attirer cette classe créative nomade, il y en a 7. Avoir un appareil d'enseignement supérieur et de recherche qui soit attractif. Avoir des capacités d'innovation. Avoir un ou plusieurs aéroports internationaux. Avoir évidemment ce qu'on appelle un quartier central des affaires. C'est ce qu'on voit ici, mais c'est ce qu'on a aussi à la Défense. Avoir des capacités de commerce, de distribution, y compris le commerce de luxe et évidemment y compris les commerces ouverts le dimanche. Avoir des potentiels en matière de loisirs, de sport, d'événements culturels, ce qu'on appelle l'entertainment. Et puis enfin, le dernier driver, c'est ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, être capable d'attirer les congrès, les conventions, etc. Voilà les 7 conditions pour être aujourd'hui une métropole de rang mondial.